Okay, thanks everyone. I think we're going to get started. People will trickle in from the break, but let's go Bonjour ahead. à tous. Nous allons bientôt démarrer. Il y a des gens qui traînent le pas. Merci d'être à nous à cette You're in the right spot. session Just dédiée to au mention, tracker I pour asked la santé. a session yesterday about large-scale tracker systems. I Juste think twice pour now we're mentionner moving que at 25 minutes or so. hier, So on we're a eu de really bons through the session. échanges. Thank you Pour for those of les you uns les who autres, on joined us espère for pouvoir this avoir le session. temps d'échange pour les uns les autres également Please aujourd'hui. reach out Et to les uns us les if you autres, have vous any posez des questions or questions plan to ask pour questions. We really hope that we can have some poser les discussion. We can help you questions. address things J'espère qu'on that are pourra really avoir important. des échanges. We have a pretty good panel of presenters that are going to be sharing with us from On a un different bon panel professions de and levels présentateurs qui of vont tracking échanger par rapport à divers care. So we niveaux will be addressing de some of the trackers guidelines pour la proposing santé. some of the opportunities. On I'm va just going to parler des brief you on difficultés, des the scene a little bit opportunités. for some Je folks who vais have some préparer opportunities to be lost. And the most important le question about tracker, I think, is why. terrain pour les questions Why les do we need to make tracker? plus What do we need to get? What demandées. are you Donc, le planning premier mot, for? c'est pourquoi? So Pourquoi on a mis en comment place le to do tracker? that up front, Et ce qu'on a but prévu that's faire kind of the avec. basis. And then hopefully in the discussion we can get to more things. Donc, I just wanted to j'espère say que dans that les échanges, on pourra this avoir model of les the réponses. tracker individual data model really does have the person at the center of it. It is a very Le useful model. tracker est What's très at the center important. C'est un can modèle be qui est reliable très systemic pertinent vaccine, or it could et il be a faut des sensor, it could vaccins. be a water well, it could be many things. But just saying at the Il center peut of s'agir d'un the vaccin ou plusieurs autres approach to choses, these mais programs is to capture what le happens but at a ici, given event. And part of c'est that de is to voir ce qui generate se passe so of dans things as public un questions or événement et opportunities également asking voir les why are you différents mandated. aspects. I love this slide. This was created by J'aime one of cette our diapo qui a été créée scientists par kind of the un des vast membres de array of notre data that we're équipe generating by a single child vaccination. de And when la we don't have something that's santé. capturing the actual event, Et il y then a another plusieurs model événements that qui sont is pris en compte not ici. at all in the picture. Et So if you're looking at all of il y the a aggregated data la you're plupart missing des out on is variables actually qui the sont, fraction mais of the point il y a shared. des données agrégées qui And so manquent we are ici. quite interested in being able Et to nous take sommes that in mind intéressés for pour your essayer discussion de and voir perhaps mettre cela dans address the burden la of photo capturing all of this data in many des ways. informations We are et supporting les that ajouter afin on que toutes les demand. variables If soient you're able to capture the présentes actual event, pour you're able to incorporate pouvoir that faire un bon into suivi. data Si on peut analysis capabilities. ajouter des From that, you will variables then, que of vous course, begin avez aggregating and cutting and et combining to generate the on rest of pourra the data that are essayer de combiner specifically les identified données and focused à on votre time, where we niveau. have Donc, the voilà data ce system. que nous avons ici. Just another way of looking at it is saying that we recognize Donc, there are a lot nous of different reconnaissons data qu'il y a challenges beaucoup de and that difficultés where en they matière de occur santé is publique where we want to be et capturing data. là où cela se trouve, c'est là où nous voulons aller Of pour water or sewage. répertorier These are things les that données. happen at the Donc, point c'est of des choses qui se capture passent au and niveau it des is really going interventions, to be really what dans les matters soins for de the capturing of the santé, et actual nous actionable voulons information. pouvoir gérer les We questions have les many plus years of probantes working et in these nous specific avons trials, and plusieurs we know what we années need de to do. travail. Il y a des I'm milliers de sure at cliniques most où the nous next avons two or travaillé three health et workers, il y we a have very des busy records rooms, travailleurs we dans le have domaine some de la people santé qui ont beaucoup de who are travail et employed at certains clinics travaillent also sur les données collecting avec eux. the data. They're very Parfois, often c'est les agents trained de la experts clinique in même qui travaillent collecting avec les data données. Il y a intelligently, pas, il y a de but points at de the end of the day, coordination avec les communautés. Il this y a is the les point where all these systems come together, les chaînes and then you have the d'approvisionnement. opportunity. Donc, And that's on a one of the besoin de tout targets of cela ours. pour If we pouvoir can avoir les be données dans le domaine quite de la successful, santé. we have over 90 countries that Nous avons use plus de the HSV 90 pays qui tracker, utilisent le tracker de where DHIS2 we dans have le already domaine reference de data la for at santé least dans one des dose milliers de of the programmes. Il y a des HSV programmes du gouvernement vaccine. There are many qui health utilisent, il y a des organizations and milliers institutions d'ONG using the également et d'autres HSV tracker institutions qui for utilisent le years. tracker de DHIS2 pour So tout I'll type close with de raisons. Je vais is your terminer tracker en posant la question. an EMR? Est-ce qu'il y a le And I'll try tracker to dans lay le out all of the EMR? above it and make it as clear as I possibly Donc, can. on va The essayer tracker de was rendre cela designed très for these clair. purposes. Le It tracker a été mis en includes place systems pour ceci, for pour patient pouvoir capture apporter de and l'aide real-time pour la reporting of décision the en tracker matière to de the hospital clinique. so that Donc, care on essaie can be d'avoir visualized des to the données next person. longitudinaux, And longitudinales sur that's the data that needs to be les recorded. patients et When you ask if it's an pouvoir faire un EMR, rapport. if this is what you're thinking of,
Si on demande s'il y a ça dans le EMR, alors oui, c'est la réponse. Mais si vous avez plusieurs autres variables en tête par rapport au fait de mettre en place des portails pour les patients, les diagnostics, nous n'avons pas prévu mettre cela dans le système qui gère les hôpitaux. C'est pas un système global qui prend toutes les variables dans l'hôpital. Donc, non, tout n'est pas dedans. Quelle est la différence de ce que nous avons? C'est que dans le tracker, nous avons et nous avons toujours eu pour ambition de pouvoir mettre cela dans le système d'information de gestion sanitaire. Et c'est utilisé pour pouvoir gérer les données, pouvoir faire le suivi, mais c'est des données agrégées. Donc, cela est dans le logiciel. Il faut utiliser le tracker pour pouvoir prendre les données du EMR pour le mettre dans le système d'information sanitaire. Il faut également, on peut utiliser les différentes fonctions. Donc, rassurez-vous de pouvoir mettre les données là où cela doit être. On essaie d'améliorer la qualité des données pour pouvoir avoir plus de visibilité par rapport aux soins. Donc, ceci étant dit, je vais m'arrêter de parler parce que j'aimerais que les collègues puissent également parler. Notre présentateur sera bientôt là, donnez-moi quelques secondes. Donc, on parle de EMR, c'est le dossier médical électronique du patient. Donc, ici, on essaie de s'assurer que les présentateurs sont là. Je cherche le fichier. Et voilà, vous allez présenter vous-même. Donc, si vous voulez partager votre écran, sentez-vous libre. Bonjour à tous. Veuillez vous présenter votre projet. Nous sommes heureux de vous avoir. Merci, merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici avec vous. Je m'appelle Alice Tahab. Je viens des diplômés de l'Université de Kurdistan et je suis heureuse, pardon, de présenter ma recherche sur l'utilisation du DHIS2 pour les programmes de santé, spécialement le programme de vaccination connu comme le PEV. Voici un peu la table des matières. On va parler du problème, des défis du PEV et le mécanisme que j'ai utilisé pour pouvoir faire face à ces difficultés, puis les limites également. Alors, pour commencer, je peux dire que je suis originaire du nord-ouest du Kurdistan, dans la région de l'Irak, et c'est dans ces lieux où on forme plusieurs médecins, mais il y a les déplacés internes qui y sont. Mais généralement, la population du Kurdistan et le gouvernement prend compte juste sa population sur la base du rapport officiel et les enfants de moins de 5 ans représentent 12,2% de la population. Avoir une population en bonne santé, c'est avoir des enfants qui ont suivi leur vaccination. Malheureusement, le taux de vaccination fluctue. Comme vous pouvez voir là à l'écran, j'ai utilisé les indicateurs mondiaux pour les programmes de vaccination et nous voyons que nous étions à 2% en 2022 pour ceux qui ont arrêté de se vacciner. Et en 2023, on se retrouve à 7%. Et ces chiffres, même si c'est en bas du pourcentage mondial par rapport à ceux qui abandonnent la vaccination, ces chiffres ne sont pas juste les résultats
des services de vaccination de routine, mais cela prend en compte les campagnes supplémentaires de vaccination. Donc, avec ces campagnes supplémentaires, nous avons toujours plusieurs personnes qui abandonnent les vaccinations. À partir de là, j'ai fait eu un sondage pour essayer de faire face à ce problème. Comme vous pouvez voir, c'est l'un des lieux où on a visité par rapport à la vaccination primaire. Et nous voyons que leur système était manuel sur papier et partout en Irak, c'est ce que nous avons remarqué, et surtout dans notre région de Kurdistan. Nous avons catégorisé cela en deux catégories. Sur le premier, par rapport au système, le deuxième, au comportement des uns des autres. Par rapport à la question du système, le problème, c'est que les rapports sont papier, en format papier, et il est difficile pour eux d'identifier les enfants qui ne viennent plus se faire vacciner. Il n'y a pas de mécanisme de rappel pour que les parents puissent revenir pour faire la vaccination de leur enfant lorsque la date arrive à échéance. Et par rapport au comportement des patients, les parents oublient les dates de rendez-vous pour la vaccination de leur enfant, ou ils oublient même le carnet de vaccination de l'enfant qu'il a reçu à la première visite. Et lorsque on enregistre les informations de l'enfant et le jour du vaccin, donc des fois ils oublient le carnet ou ils perdent cela. Et parfois, ils partent même dans un autre pays, hôpital ou un autre centre de santé lorsqu'ils partent pour la deuxième vaccination. Ceci peut créer de la confusion si les enfants sont vaccinés ou pas et où est-ce que ces enfants sont vaccinés. Pour la dernière décennie, c'est-à-dire depuis 2001, le gouvernement de l'Irak et Kerry, notre région, ont essayer d'évaluer les statuts du secteur de la santé. Ils ont essayé de numériser ce secteur. Et ce qui est important, c'est qu'ils ont reconnu le DHIS2 comme une solution possible pour pouvoir numériser tout le système d'information sanitaire, puisque cela a été recommandé après avoir évalué le statut du secteur dans les années 2010. À partir de là, l'objectif de ma recherche était concluant à moitié parce que, premièrement, il fallait identifier le flux de travail du personnel de santé et identifier les enfants qui ont abandonné leur vaccination et la volonté de pouvoir se faire enregistrer dans le registre de vaccination. Également, il fallait développer un registre électronique en utilisant le DHIS2 et utiliser le tracker pour pouvoir évaluer les visites auprès des médecins. Pour atteindre cet objectif, voici ma méthodologie. J'avais trois étapes. Premièrement, c'est de pouvoir mettre en place un sondage quantitatif en partant visiter les unités de vaccination dans la région et identifier les difficultés du personnel de santé. Surtout, il fallait identifier le temps qu'ils perdent pour pouvoir enregistrer, faire le traquage ou le tracking, puis identifier les enfants qui ne viennent plus poursuivre la vaccination. Et comme résultat, j'ai essayé de mettre en place le registre électronique de DHIS2 avec le module tracker pour pouvoir combiner les données officielles et les besoins du personnel de santé à partir du questionnaire ou du sondage que j'ai partagé plus tôt. Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, mais ici, c'est le tracker de DHIS2 et c'est le portail d'entrée. Et voici comment est-ce que c'est configuré. Je ne suis pas sûr. Je pense que ceci n'est pas nouveau pour vous. Et donc, je passe à la troisième étape, c'est de faire une étude expérimentale. Une étude quasi expérimentale qui avait pour objectif un groupe d'intervention. Et pour les groupes d'intervention, on peut avoir les enfants de moins d'un an qui sont éligibles au vaccin 1 et le vaccin 2 qu'on donne entre 2 et 6 mois selon les réglementations de tous les pays. Et
On envoie des rappels par SMS aux parents, trois SMS de rappel. Premièrement, un jour avant le jour J et deux autres à 14 jours et un mois après la première vaccination selon la réglementation nationale. Maintenant, le deuxième groupe, c'est le groupe de contrôle et c'est la même population qui ont moins d'un an également pour la vaccination et nous utilisons le même système de vaccination de routine pour envoyer les rappels. Donc, premièrement, pour les résultats, on a vu qu'il y avait des retards de 30 jours et plus. Maintenant, par rapport à la recherche quantitative, il y avait les défis par rapport au registre basé sur le papier que 18% de personnel de santé passaient plus de 35 heures par mois juste pour enregistrer les informations des enfants pour dans le registre d'informations journalières et transférer cela dans le registre du DHS de sécurité. 48,1% mentionnaient que les parents oublient généralement leur rendez-vous de vaccination pour leurs enfants et plus de 50% ont trouvé qu'il était très compliqué de vérifier les enfants qui ne poursuivent pas leur vaccination et 61,7% étaient prêts pour utiliser un registre de vaccination électronique si possible. La chose la plus importante, c'est que ceux qui ont dit qu'il était difficile d'identifier les enfants qui ont arrêté les enfants qui ne viennent pas poursuivre leur vaccination, et il y a une très grande majorité qui passe beaucoup de temps pour identifier les enfants. Et ce chiffre a réduit pour atteindre une minute. Les équipes qui ont utilisé le travail DHIS2 passaient maintenant une minute pour pouvoir faire ces entrées des données à cause du rapport. L'identification des enfants qui arrêtent leur vaccination a été beaucoup plus facile et on pouvait voir qu'un seul enfant a. On pouvait voir combien d'enfants arrêtent de prendre leur vaccination. Également, avec le tracker DHIS2, le registre de vaccination électronique montre que on a 5,7 qui arrêtaient la vaccination contre 94,3% qui finissent leur intervention de vaccination et il y avait 9,7% qui arrêtent leur vaccination contre 70,7% dans le groupe de contrôle, ce qui montre que le retard de vaccination avait un taux de 3,3% contre les 20,92% qui ne prenaient pas de vaccination dans le groupe de contrôle. Donc, voici le tableau de bord qui est utilisé. Vous pouvez voir les rapports ici qui ont été générés. Et vous voyez la cartographie, les deux zones qui sont jaunes, c'est les zones d'intervention et de contrôle. Et nous voyons que c'est très petit quand même. Mais ceci étant dit, je conclus que l'utilisation du DHIS2 pour faire le tracker a vraiment réduit le taux de personnes qui abandonnent la vaccination. Ça a réduit le temps et l'effort qu'on utilise pour pouvoir identifier les enfants qui arrêtent leur vaccination, y compris le flux de travail de vaccination le plus important. Encore, cela propose et fait un calcul pour les enfants qui arrêtent leur vaccination, ce qui signifie qu'aucun enfant n'est perdu entre le centre primaire de vaccination et ceux qui ont été vaccinés ailleurs à cause du tracker DHIS2. Le calcul est très simple. Ça a permis de pouvoir vérifier l'un après l'autre quel enfant doit aller à quel rendez-vous de vaccination et cela a rendu ce processus efficace et efficient. La seule limite que nous avons vue et que moi j'ai fait face normalement quand je faisais ma recherche, c'était la configuration SM. J'ai mis en place un SMS type que j'ai mis dans le tracker du DHIS2 et j'ai fait la configuration. Cependant, le message n'accepte que 160 caractères et n'accepte pas la langue
de la région qui est le kurdiche, et c'est la langue officielle de l'Irak. Donc, ce qui m'a contraint à utiliser un autre langage, j'ai utilisé les symboles dans le SMS, mais c'est à cause des symboles-là que je pouvais mettre que 160 caractères parce que ça ne prenait pas en charge la langue qui est parlée dans la zone. Malheureusement, à cause de cette limitation de caractères, je n'ai pas pu donner un message très clair et élaboré, et c'est pour ça que je n'ai pas pu atteindre mes objectifs spécifiques. Mais en fin de compte, je peux dire que les résultats sont prometteurs et je recommande, même si je peux mentionner que l'OMS présentement met en place le DHIS2, précisément son module agrégé pour les services de vaccination et de santé. Mais je pense, après avoir fait ma recherche sur la question et de l'avoir implémenté moi-même, je crois que le module tracker est la solution la plus viable qui peut vraiment s'appliquer aux besoins et aux difficultés du personnel de santé, surtout après avoir trouvé le calcul du taux des personnes qui arrêtent leur vaccination. Ceci étant dit, j'aimerais remercier la communauté de pratique de HIS2, tout un chacun d'entre vous. Je vous remercie du fond du cœur. Je ne connaissais pas beaucoup comment gérer le DHS, mais vous étiez là pour m'aider. Je crois que c'est une communauté très robuste. Et spécifiquement, j'aimerais remercier Monsieur Sharaf Adine Al-Gassim d'être toujours là pour moi, et surtout Monsieur Tito Kipkokat, j'espère que j'ai bien prononcé ce nom, celui qui est le soutien du serveur DHS2 qui a rendu possible la mise en place du DHS2 de faire face à tous les problèmes auxquels nous faisons face dans notre pays. Merci beaucoup de l'honneur qui m'est accordé d'être ici. Vous pouvez me contacter pour quelque information que ce soit via le mail à l'écran. Merci beaucoup. Je vais m'arrêter ici pour qu'on pose des questions parce que nous sentez-vous libre de poser des questions. Maintenant que vous avez fait ceci, est-ce que vous avez échangé avec le ministère de la Santé? Est-ce qu'ils veulent adopter ceci? En réalité, je ne l'ai pas encore fait. Les ministères chez nous font très attention aux détails et ils veulent quand même développer le système de vaccination. Maintenant, puisque c'est un système national, chaque changement doit venir du ministère de la Santé. Et comme je l'ai dit, l'OMS utilise le module agrégé. Et pour le moment, rien n'est fait. Donc, il y a notre collègue à Bagdad qui nous a donné des informations. Je ne sais pas si vous pouvez nous donner des informations là-dessus. Est-ce que Salim est là? Merci beaucoup pour votre présentation. Je travaille au Sandhurst pour l'université d'Oslo. C'est une très bonne présentation. Je vous remercie beaucoup. Nous travaillons avec l'OMS à l'Irak depuis des années. Il y a plusieurs choses qui sont passées. Je crois que ce serait bien de garder le contact. Et j'ai un collègue ici qui travaille avec les pays arabes. Donc, Mohamed, vous pouvez aider. Merci beaucoup, Alice. J'ai une très bonne présentation. C'est heureux, je suis heureux de voir une telle étude par rapport à l'utilisation du DHIS2. Et nous avons fait beaucoup d'études par rapport à l'utilisation de DHIS2 pour améliorer les soins de santé dans le domaine prénatal. C'est pour cela que je vous remercie beaucoup pour ce que vous avez fait. J'ai seulement une question par rapport au contenu du SMS, parce que nous avons 160 caractères, donc je me demande, est-ce que vous avez mis en place le message
qui encourage les gens à lire cela de manière positive. Merci beaucoup. Donc, en effet, j'ai envoyé le message en deux langues, un en kurdiche, qui est la langue nationale en Irak, et l'autre en arabe. Le kurdiche, c'est la langue kurde, donc j'ai envoyé cela en langue kurde et en langue arabe. Et les messages disaient, bonjour, votre enfant, et je mets le nom de l'enfant, à sa prochaine vaccination à telle date ici. Non, c'était très court. Mais comme j'ai dit, la langue arabe n'avait pas de problème. Le problème, c'était la langue kurde. Et la langue kurde avait plus de cibles que ceux qui parlaient arabe. Donc, il fallait utiliser un code unique et c'était quasiment impossible. Je mettais en place le message et j'ai oublié de dire qu'il y a une autre personne ici à DHS de Saber, j'ai oublié le nom, qui m'a aidé par rapport à cela, mais nous n'avons pas pu avoir une solution finale. Maintenant, peut-être ils ont pu trouver une solution, mais l'année dernière, je n'avais pas de solution. Donc, on avait des problèmes pour pouvoir rédiger un message motivant aux parents. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Bonjour, je m'appelle Gershot, je viens de Genève. J'ai de l'équipe de partenariat. Merci beaucoup. Vous avez fait une recherche excellente et la présentation également nous a montré que vous avez des résultats convaincants. Par rapport à l'Irak, c'est l'un des pays qui reçoit les soutiens du Gavi. Et Gavi est là pour renforcer les systèmes. Donc, c'est bien. Nous avons vu qu'il collabore souvent avec l'OMS et d'autres entités au niveau national. Donc, je pense qu'il faudrait toujours se retourner vers les uns les autres pour avoir le soutien. Je vais essayer maintenant de publier les résultats de ma recherche. Je vais les publier dans un journal officiel et international. Je suis dans le processus d'avoir l'accréditation. Je crois fermement que les résultats de mes recherches avec mon superviseur et les autres collègues du DHIS2, cela m'a aidé à pouvoir avancer, surtout quand j'ai vu les résultats. Donc, je pense que l'UNICEF aime avancer et mettre en place ce qu'ils ont en tête, mais je ne sais pas comment ça fonctionne à leur niveau. Et je pense qu'il faut trouver le moyen d'aider la population en lui donnant ce qu'elle a besoin. On va poser des questions plus tard. Si vous voyez des questions dans les commentaires, vous pouvez y répondre. Merci à vous. Donc maintenant, nous allons partir et voir ce qui se passe en Somalie, surtout par rapport à la vaccination. Vous pouvez vous présenter et faire votre présentation. On va essayer d'aller vite avec les autres exposés en 20-25 minutes parce que j'aimerais qu'on échange à la fin. Et donc, vous avez peu de temps. Bonjour à tous.
Je vais faire la présentation à la place de Ismaël Koleleni, qui travaille avec HISP Tanzanie sur le futur de la Somalie. Nous avons un tracker du DHIS2 pour le registre électronique de vaccination. Nous avons perdu l'orateur. Donc, par rapport au contexte, en Somalie, on utilisait un outil basé sur papier par rapport au tracker et ils ont adopté le DHIS2, mais les données agrégées étaient seulement prises en compte, donc ils ont essayé de corriger les données agrégées, vu qu'ils avaient un système de suivi sur papier des données de vaccination individuelle, et maintenant il fallait mettre cela dans le DHIS2. Cela a amené des difficultés parce que le système impliquait l'agrégation et le suivi manuel des données collectées dans le DHIS2, et cela a posé des problèmes de contrôle de suivi parce qu'on travaillait sur le papier, il fallait pouvoir voir qui sont les nouveaux clients, les taux de défaillance et d'abandon, les statuts de la dose zéro, statut de sous-vaccination et de couverture, les effets indésirables à la suite des vaccinations. Donc, on essaie de voir toutes ces personnes-là et essayer de faire le contrôle et le suivi. Alors, on devait tous travailler de concert avec l'OMS ici en Somalie, mais également le ministère de la Somalie, le ministère de la Santé de Somalie et de la HISP et Tanzanie. On a essayé de travailler pour le développement d'une solution électronique. Alors, les objectifs, c'est premièrement d'enregistrer et de suivre la vaccination des enfants et surtout améliorer la communication des données, puis contourner le processus manuel d'agrégation des données. Nous avons essayé de les mettre dans le système d'information sanitaire des HIS2. Par rapport à la méthodologie que nous avons utilisée, premièrement, on a essayé de faire une évaluation de l'état de préparation du système de suivi. On a essayé de voir la situation sur le terrain pour voir s'ils peuvent adopter l'implémentation de ce tracker. Et également, on a essayé d'évaluer la capacité de leur serveur, la disponibilité il y a d'autres méthodologies qu'on a utilisées également. C'est l'outil de l'OMS. On a commencé avec la personnalisation, la configuration sur les directives de vaccination de la Somalie. Et ensuite, il fallait faire la configuration de ce qui était applicable. On a essayé de voir les outils de données qu'ils avaient. Ensuite, comme je disais, il fallait faire la configuration des SMS pour la prise en charge des notifications et des rappels. Et on essayait de leur envoyer des rappels par rapport aux prochaines vaccinations et pour qu'ils puissent venir vacciner leurs enfants. L'autre aspect, c'est le renforcement des capacités. On a essayé de pouvoir apporter notre assistance. On a travaillé sur le tracker pour pouvoir faire la collecte des données. Voici l'architecture. Vous pouvez voir, nous avons le système d'information sanitaire du DHIS2 qui prend les données d'abord et ensuite il fallait introduire le tracker dans le registre de vaccination qui capture les données individuelles. Et ensuite, il fallait faire l'échange de données agrégées et nous prenons les données du agrégé
état des stocks de vaccins et nous voyons ce qu'il en est dans le logiciel. Ce qui est à faire également, c'est que il fallait soutenir les différentes les différents établissements parce qu'il y avait des informations qui étaient disponibles en remote et il fallait essayer de mettre en place une forme d'application Android et d'application web pour pouvoir faire le travail. Maintenant, par rapport au rappel, après avoir donné la première dose, on envoie des messages. So that helped them like knowing when they should be able to come back. And before 3 days of the vaccination, they also received the reminder that in 3 days you are supposed to bring your kid for the vaccination. So after doing that, so this was the way how it has been designed. As I said, we actually adapted the WHO metadata package and then On a adapté le package de l'OMS pour s'assurer que c'était adapté aux besoins de la Somalie, y compris les variables qui n'étaient pas dans les métadonnées, mais aussi en enlevant, en supprimant les variables dont nous n'avions pas besoin au Somalie. Par rapport à l'Android, parce qu'il y a des gens qui utilisent Android pour capturer les données, et tracker ou les informations liées à la vaccination, nous les avons envoyées à la base de données, mais ils ont dit que ce sont des données qui doivent être envoyées de manière agrégée au système national. Voilà les résultats analytiques par rapport aux données qui ont été captées pour ce registre de vaccination, comme vous pouvez le voir. The capturing of the data is actually ongoing. They're actually La capture de données continue, est toujours en cours, elle est faite via des SMS qui sont envoyés aux parents avant qu'ils ne viennent pour la prochaine dose. Ce que nous avons fait, nous avons utilisé les opérateurs de télécom locaux pour qu'ils puissent envoyer des SMS afin qu'ils puissent avoir ce rappel. Les données sont capturées et stockées dans la base de données centrale et peuvent avoir ces tableaux de bord de suivi qui leur permettent de savoir là où ils en sont avec la vaccination. Ils peuvent également suivre de près parce que c'était vraiment intéressant avec la liste linéaire qui est sortie le mois passé, et une liste linéaire qui permet de suivre de près ceux qui ont raté la visite pour la prochaine dose. Alors, les résultats, ça a bien sûr amélioré le suivi des statuts de vaccination. Comme vous pouvez le voir au niveau des tableaux de bord, vous voyez que le pourcentage a augmenté. C'était l'objectif d'avoir ce tracker. Nous avons perdu l'orateur. And the timely data reporting, because as they are going or they are vaccinating, they also capture data on time, so that through that there's no need of waiting until last month to have them consolidated and then captured through the DHIS too. So another advantage is to have these automated reminders that help informing the parents of their schedule that they're supposed to bring kids for the for the vaccination. Thank you for listening.
Great. Thank you so much. And we'll just move along quickly. Our next presenter is presenting about a broader use of Tracker across several programs in the Maldives. Nous allons suivre une présentation qui nous vient des îles Maldives. Voilà. Hello. I hope I am not too Bonjour. short to say my J'espère que je ne suis pas trop courte pour être vue. Super. Je m'appelle Luana. Luana. public Je travaille officer in Ministry of Health. comme I'm going to talk about the integrated manager de la santé publique et au niveau du ministère de la Santé. Et je vais vous parler de ce qui se passe dans mon pays. integrated public health information systems. On avait un système de gestion d'information sur la santé publique intégré. Il y a, nous avons pu faire beaucoup de progrès pour développer ces modules. Et actuellement, le registre de vaccination a été implémenté et aujourd'hui, c'est partout dans le pays et ça a été piloté, ça a été étendu à différentes régions du pays et cette année, nous allons aller dans d'autres coins du pays. Le registre du cancer national se trouve au niveau central seulement, dans les hôpitaux centraux seulement. Il y a une crise de filariasis et nous avons développé un système de surveillance de cette pathologie. Il y a eu des dépistages de masse pour cette pathologie, filaria. Il y a également une surveillance des maladies infectieuse. Et le mois passé, nous avons piloté cela dans une région du pays. Nous sommes aussi dans le processus de piloter d'autres modules, surtout le module sur la santé maternelle et le module sur le développement et la croissance, ainsi que le dépistage de la tuberculose. Le DHSD est utilisé au ministère de la Santé, mais cette semaine, nous menons des discussions avec le ministère du Développement social. Le système sera intégré à DHIS2 et dans le développement de modules, ils vont utiliser les données de DHS2 pour, n'est-ce pas, identifier les handicaps chez les enfants. Dans le registre de vaccination électronique, 18% de tous les enfants nés en 2023 ont été enregistrés dans le système et il y a un audit qui est en cours sur l'année 2023. Maintenant, par rapport au registre de soins de santé primaire, nous avons ce taux de performance, c'est 94,1%. Nous avons donc 94,1% de la population pour le registre de la santé, des soins de santé primaire. Ça concerne la population au-delà de 18%. Alors, notre registre sur les soins de santé se base sur les maladies infectieuses, mais on va étendre cela à d'autres types de pathologies. Nous allons traiter les données individuelles. Il y a des évaluations qui sont d'abord faites avant de passer à la prochaine étape. Nous avons pu faire le suivi en utilisant ce système. Le registre national sur le cancer, c'est un registre qui est utilisé au niveau central et ça gère différents types de données. Par exemple, si un patient
souffrent du cancer de poumon et on veut, par exemple, voir si son comportement a changé, si la personne fume toujours. Vous savez, nous pouvons suivre de près. Et si le patient se trouve dans le registre, on pourra facilement suivre de près si le patient a changé de comportement ou pas. Et maintenant, par rapport à la surveillance de la filaria lymphatique, c'est un système qui facilite la surveillance au niveau communautaire de cette pathologie. Je pense que ces 2 derniers jours, nous avons parlé des défis, et surtout liés au renforcement de la capacité et les difficultés liées à la logistique, surtout par rapport à la formation des différents acteurs. Il y a, vous savez, un guide d'utilisateur qui est facile et qui peut être très utile. Vous savez, c'est difficile pour l'équipe centrale d'aller dans tous les coins du pays. Donc, ce que nous faisons, nous disséminons ce guide d'utilisateur. Les informations sont bien organisées. Ça montre comment on peut se connecter au système, comment on enregistre un patient, comment on saisit les données. Donc, c'est un guide qui est très utile, surtout lors des formations. J'aimerais également souligner que nous encourageons nos formateurs. Nous pratiquons également après le registre de vaccination électronique, tout le personnel de santé seront formés en DAIJ2. Avec différents nouveaux modules, il y a des formations qui se font à l'interne. Il y a également la formation par rapport au registre sur le cancer. On saisit les données depuis 2019. Et une fois que un hôpital a terminé le processus de saisie de données, l'équipe va à un autre hôpital et forme le personnel par rapport à la saisie de données. Donc, nous encourageons les gens à l'utiliser. Nous faisons également de la pratique. Et les gens, du moins ceux qui sont formés, essaient de former les autres. Alors, j'aimerais prendre cette occasion pour exprimer notre reconnaissance envers les partenaires techniques qui nous ont aidés à développer ces systèmes, notamment HISP Sri Lanka, UNICEF, FINUAP, l'OMS, mais aussi l'Agence pour la protection sanitaire, sans oublier le ministère de la Santé. Merci, j'espère que je n'ai pas été trop rapide. Thank you so much. That was fantastic. Merci beaucoup, c'était fantastique. Il y a une présentation qui reste et après on va donner la parole aux participants pour poser des questions. C'est Mohamed qui va nous faire une présentation. On a travaillé avec Mohamed depuis 10 ans. On travaille avec lui depuis 10 ans. Et donc, il n'est pas nouveau. C'est pour le compte de HISP, Afrique du Nord et Moyen-Orient. Merci beaucoup pour cette occasion. Je vais me focaliser sur des exemples pratiques et sur des cas d'utilisation réels qu'on trouve sur le terrain. Lorsqu'il s'agit de trackers, comme vous le savez, c'est vraiment très exigeant, non seulement dans notre région, mais également dans d'autres coins. Et tous les pays parlent de trackers. Donc, on va faire une réflexion sur un certain nombre de problèmes. Voilà, on a commencé à travailler avec le ministère de la Santé au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Avant de parler des trackers et de l'intégration, il faut d'abord se poser quelques questions. Quelle est ta position? Il y a 4 ou 5 niveaux en se basant sur
le toolkit développé par l'OMS. Quelques pays, comme vous le voyez ici en couleur jaune, sont au niveau de l'expérimentation. Il y a des pays qui sont au plus bas niveau d'adoption. Il y a également des pays qui sont au niveau du développement. Il y a rationalisation. Ici, ils peuvent utiliser, si c'est un pays qui se trouve dans cette phase d'expérimentation ou d'adoption de premier niveau, on ne peut pas parler d'interopérabilité, par exemple, à ce niveau. Donc, c'est très important de connaître sa position avant de passer à la prochaine étape. Donc, c'est très important. Avant d'adopter un module de DHS, que ce soit le module tracker ou agrégé ou événement, c'est très important de connaître là où l'on se trouve. Donc, c'est aussi important de connaître les ressources que chaque pays a à sa disposition. Il y a aussi un autre point, c'est la classification des interventions digitales, des services digitales, mais aussi des applications dans le domaine de la santé. C'est très important. C'est, je pense, l'aspect le plus important. Les choses sont utilisées de manière interchangeable et c'est très important de connaître les principaux défis des systèmes de santé, quelles sont les applications susceptibles de résoudre ces problèmes. Si je connais ce type de taxonomie ou de classification, je peux faire une très bonne planification par rapport à l'utilisation des ressources parce que nous vivons dans des pays à ressources limitées. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas les moyens pour payer la logistique. Dans ce cas, c'est important de développer un modèle de données qui sont pertinentes, qui sont relatives au contexte et aux ressources disponibles. Donc, c'est très important, très pertinent pour la recherche. Et donc, vous pouvez utiliser les mêmes termes, la même littérature, si vous voulez, par exemple, conduire une recherche liée à la santé électronique. Donc, voilà ici les questions les plus posées sur le tracker. Et donc, lorsqu'il s'agit de tracker, si vous divisez un éléphant en deux éléphants, vous n'aurez pas deux éléphants. C'est un seul éléphant, qu'il soit petit ou grand, c'est un seul éléphant. Ce que nous avons réussi tout au début, les gens ont posé des questions sur l'analyse du dossier individuel, et les interventions individuelles, les notifications et les prestataires de soins qui envoyaient des notifications, le système de soutien en prise de décision. Voilà, toutes ces questions ont été soulevées lorsqu'on a introduit le tracker. C'est un système qui apporte du soutien. Il y a des questions liées à l'interopérabilité, à l'intégration aux finances, à la comptabilité, au portail, à l'intégration de la machine, ainsi de suite. Donc, voilà, ce sont des questions importantes. All of us, we need that, but we couldn't do Donc, that. on ne peut pas, par exemple, poser la question de savoir comment on peut dormir 8 heures en une seule heure. Donc, ce sont des questions qui ont été soulevées lorsqu'on a adopté le tracker, mais elles ne sont pas compliquées aujourd'hui. Rien n'est compliqué par rapport aux technicalités, à l'aspect technique et à l'implémentation du tracker. Parce que des informations liées au DHS sont partout sur le web, sur l'Internet. Donc, il faut plutôt éviter d'avoir des systèmes parallèles. Donc, je peux passer par quelques étapes et essayer de me projeter à l'avenir et essayer de voir combien de programmes de tracker avons-nous besoin, comment le mettre en place de manière appropriée, comment concevoir la capacité pour éviter la disponibilité et servir. Il y a des exemples dans notre région, c'est un projet réel que nous avons au niveau des services PHC en Égypte.
au début de la guerre au Gaza, nous avons utilisé le tracker pour tous les patients blessés, tous les blessés qui étaient transférés dans les hôpitaux, des hôpitaux égyptiens. Et le ministère de la Santé en Égypte a adopté le module tracker. Elle a utilisé, bien sûr, pour les réfugiés soudanais qui sont aujourd'hui nombreux en Égypte. Nous avons également utilisé le tracker pour la nutrition, mais également pour le service PHC. Et il y a plus de 40 services qui ont besoin d'être digitalisés en utilisant le tracker en Égypte. Dans 5 000 cliniques. Maintenant, pour le système de surveillance en Jordanie, au Yémen, en Syrie, au Liban, en Irak et en Syrie. Le modèle est utilisé pour la tuberculose, le VIH. Et le tracker sera implémenté dans ces pays. L'outil d'évaluation, nous utilisons le tracker non seulement pour le patient, comme vous le voyez avec l'exemple de service PHST et le système de surveillance. Et en troisième lieu, il y a un outil d'évaluation qui, n'est-ce pas, aide dans l'évaluation du district sanitaire ou de l'établissement sanitaire. Donc, ça aide surtout dans la planification. Maintenant, pour une fois encore, la surveillance, surtout en Palestine et à Gaza, il y a beaucoup d'incidents. Vous connaissez la situation à Gaza. Il n'y a aucune agence qui puisse générer des chiffres qui montrent combien de femmes sont enceintes, des femmes qui sont en situation post-natale ou prénatale. Parce qu'il y a beaucoup de Palestiniens qui ont été tués, la majorité sont des femmes et des enfants. Donc nous avons développé un tableau de bord pour montrer toutes ces informations. Et avec Norwalk, nous avons commencé la discussion par rapport à un tracker de chirurgie orthopédique. Et nous avons également mis en place un profil pour l'établissement sanitaire et non pour l'individu. Donc, il y a des exemples sur les patients, sur les établissements sanitaires. En Palestine, il y a ce qu'on appelle Family Health Record ou dossier sur la santé de famille. Ce sont des programmes qui sont connectés. Il y a également l'Observatoire régional avec MRO. Nous sommes en train de voir comment on peut mettre en place des systèmes d'alerte précoce et des systèmes de réponse qui vont inclure d'autres modules et le pays peut. Et n'est-ce pas envoyer des notifications sur les crises, les prévalences élevées ou toute autre maladie. Voilà maintenant la situation. Nous devons aller beaucoup plus vite. Même si vous êtes très rapide et agile, cela ne représente pas la situation lorsqu'il s'agit de l'implémentation. C'est un message à retenir par rapport à l'implémentation du tracker, parce que toute la séance, c'est sur le tracker. Les pays devraient comprendre c'est quoi le sens des technologies auto-adoptées. DHSD, c'est une technologie qui auto-adoptée, ce n'est pas une entreprise qui est venue pour vendre le produit. Non. Et tant que les ministères les adoptent, il faut comprendre les conséquences, l'impact, les besoins qui vont avec. Parce qu'il y a des pays qui ont adopté des HST, ils ont utilisé le tracker et après, ont commencé à jeter le blâme sur l'université d'Oslo en disant que le système ne fait pas tout. Le système, il est très efficace lorsque vous faites la conception de manière correcte. Il est très important de comprendre les différentes étapes parce qu'il y a de la préparation
qu'il faut connaître. Et si vous le faites bien, si vous passez par toutes les étapes, vous pourrez y arriver. La gouvernance. Il peut y avoir des équipes qui ont été mises en place, mais il y a besoin vraiment de gouvernance, de renforcement de capacités également. Il y a également le réseautage, très important pour les ministères de la santé qui doivent être connectés au groupe ISP. C'est l'idée de l'université de Slo. On essaie de travailler avec tous les pays, tous les groupes ISP pour mettre à jour les connaissances et s'y transmettre les nouvelles informations. Il y a aussi le suivi, la planification et l'évaluation. Nous pouvons dire, voilà, nous l'avons implémenté. Ce n'est pas quelque chose noir sur blanc. Ce n'est pas quelque chose que vous allez implémenter une seule fois. Il faut à chaque fois évaluer chaque fois qu'il y a, par exemple, des mises à jour. Il y a également une extension progressive. Nous ne pouvons pas dire du jour au lendemain, nous allons implémenter cela. Ça peut prendre 5 ans. Ça peut même prendre 7 ans pour atteindre le niveau national. Voilà, toutes ces questions devraient être abordées au premier jour du projet et ainsi avoir un plan qui est réaliste. Il y a également la recherche sur l'utilisation des données. Donc, la recherche, c'est l'un des outils de plaidoirie. Les universitaires doivent être impliqués dans le processus d'implémentation et avoir des informations, des données qui doivent être utilisées de manière appropriée et qui doivent être utilisées pour éclairer la prise de décision politique. Ça aiderait beaucoup. Et le pays fera beaucoup de progrès, surtout en matière d'implémentation de DHS2. Et ça va attirer, c'est un pays, ce genre de pays attirera forcément des investisseurs. Voilà, c'est quelque chose qui peut aider nos pays respectifs. Il faut également avoir une vision, une feuille de route claire. Il faut savoir les programmes dont on a besoin, les programmes qui doivent être convertis en trackers. Donc, il faut vraiment de la planification, une planification qui doit être revisitée, révisée, plutôt modifiée chaque fois qu'on en a l'occasion. Je vous remercie. Thank you, Mohamed. Great. Merci So, beaucoup, Mohamed. Comme je l'ai indiqué, nous avons essayé de respecter le temps. Nous avons gardé quelques minutes pour la discussion. Je vais vérifier sur Zoom s'il n'y a pas de commentaires ou de questions. Vous pouvez également poser des questions. Je m'adresse à ceux qui sont présents dans la salle. Je vais peut-être inviter les présentateurs à venir afin que les gens puissent voir vos visages merveilleux. J'allais poser une question sur la planification aux Maldives. Vous nous avez montré une utilisation ambitieuse de l'utilisation du tracker et ça a été très rapide. Et pourriez-vous partager ce qui a vraiment rendu cela possible? Quels ont été les facteurs qui vous ont permis de réussir? Alors, ce qui nous a aidé, vous savez, ça a été facile pour nous de développer ces modules. Pour chaque module, il y avait une équipe principale et désignée pour le développement. Et on a bénéficié de l'aide de l'OMS et des autres partenaires, surtout en matière de renforcement de capacité. Il y a eu des réunions et nous avons des décisions sur différents modules. Avant, on utilisait des systèmes par papier, mais voilà, nous avons pu adopter des systèmes électroniques et c'est très important pour le pays. Donc, il y a eu une équipe technique, comité technique qui sont rencontrés très régulièrement pour travailler sur
les modules. Alors, ça a été facile pour nous de finaliser le module et pour lancer l'étape de pilotage. Voilà, merci. Maintenant, on attend vos questions. Questions pour le panel, comme en tant qu'ensemble. Vous pouvez également poser des questions à différents présentateurs. What you presented is very impressive to see this modular approach and how well it could scale so quickly. My question is, how does that fit within the larger digital structure of the other programs that the healthcare workers are using? Does that make sense? For example, how does it fit with additional EMRs or insurance systems? Actually, it's a challenge for Maldives in integrating the health insurance systems and the hospital-based systems to the DHS too. But we are in discussion and working to integrate it. And according to our HIMR team, we will be able to integrate two hospital systems to the DHS too. Avec notre équipe, on est capable de pouvoir intégrer ceci à l'équipe. Mais je n'ai pas parlé des défis, il est vrai, mais il y a des défis auxquels nous faisons face présentement et nous essayons de pouvoir déployer autant de modules que possible. Mais c'est un peu une difficulté à laquelle nous faisons face avec la nouvelle implémentation et le nouveau modèle, mais nous travaillons toujours pour régler le problème et intégrer de nouveaux systèmes dans le DHIS2. Alors, merci beaucoup pour la présentation. Ma question a à voir avec la connaissance du DHIS2 et du tracker. Je veux savoir si c'est possible et combien est-ce qu'on aura besoin pour pouvoir faire le tracking de l'approvisionnement. Parce qu'on approvisionne les vaccins et on veut savoir combien ont été reçus et combien n'ont pas été reçus. Est-ce que c'est possible d'avoir ce type de rapport? Sinon, c'est une question de connaissance, hein? Comment est-ce que cela sera incorporé dans le tracker? Je ne sais pas si vous avez de programme pour... Si vos programmes ont pris en charge la logistique. Dans notre contexte, spécifiquement pour la Somalie, nous avons adopté le package LMAS pour être capable de capturer le statut des biens, des produits, y compris les vaccins. Donc, ce n'est pas vraiment un système de gestion d'informations logistiques en tant que tel, mais connaître le nombre de vaccins, de doses, ça aide beaucoup. Lors de l'implémentation du tracker, il y a cette requête a émergé. Lorsque le personnel de la santé fournit un service sanitaire pour être capable de revenir. Par exemple, s'il s'agit des doses pour telle ou telle maladie, s'il y a eu des erreurs, on pouvait le constater facilement grâce au système. J'ai vu des gens en train de faire du réseautage. Il y a aussi une organisation qui a montré comment ils ont pu intégrer LMAS dans DHS2. Donc, il y a des leçons à tirer pour savoir comment cela marche. J'allais en parler. Ces dernières années, il y a eu une initiative qui se focalise sur l'utilisation des DHS2 dans le domaine de la logistique. Il y a une équipe et peut-être vous pouvez entrer en contact avec l'équipe si ça vous intéresse. Je parle à Georges et Pearl et Brennan. Ils sont ici. Donc, il y a également
des informations en ligne qui montrent comment on peut utiliser des HSD dans le domaine de la logistique. Ils ont travaillé sur les vaccins. Et vous pouvez trouver des informations. Ils ont travaillé avec des chercheurs. Et ils ont mis en place des applications de suivi. Donc, il y a un certain nombre de choses que vous pouvez apprendre et on espère que vous allez prendre le contact. Ma question s'adresse à Maurice. Vous avez mentionné qu'il y a beaucoup de systèmes qui ont été déployés et je pense qu'ils sont tous abrités sur un portail. Est-ce que ces systèmes vraiment communiquent? Si la réponse est oui, et quelles sont les normes que vous suivez? Est-ce que vous parlez de la communication entre les modules que je vous ai présentés? Comme je l'ai mentionné dans ma présentation, ceux qui sont enregistrés dans le portail PSI, il y a des comportements sur les maladies non transmissibles. Et si par exemple un patient est enregistré dans le registre de cancer, vous pourrez voir si. Vous savez, nous enregistrons ces gens-là dans DHS2 une seule fois. Donc, si c'est un enfant qui a du cancer, on peut faire le suivi et voir si cet enfant est au niveau du portail de la vaccination. Ce sont des données qui nous permettent de faire le suivi comme il faut. Il y a des normes que nous devons respecter, bien sûr. On ne peut pas, par exemple, changer les données d'un patient. Donc, la seule personne qui peut modifier les données, c'est la personne qui a initié l'enregistrement. Donc, voilà. Donc, c'est clair. Et la question, est-ce que vous avez dit qu'un système peut voir les informations qui se trouve dans un autre système. Est-ce que le système accède aux informations directement ou il y a un système intermédiaire? Désolé, nous ne parvenons pas à entendre l'orateur. Je travaille pour l'ISP Sri Lanka. C'est une question technique et je vais essayer de répondre. Tous ces modules pour différents programmes et différentes maladies se trouvent dans les instances DHS2. Comme il a mentionné, il y a des données qui sont capturées dans un programme. Et c'est grâce aux fonctionnalités de DHS2. Donc, nous pouvons configurer le partage d'informations dans DHS2 et c'est quelque chose que vous pouvez activer grâce aux fonctionnalités de DHS2. J'aimerais également dire que voilà, vous avez parlé de l'intégration des systèmes des hôpitaux. Et il y a des systèmes qui sont en cours de développement. Ça va définir l'architecture dont ils ont besoin. Et je pense que les ministères et les partenaires vont se retrouver ensemble pour décider sur l'architecture à adopter. Donc, il faut pousser les données agrégées vers DHS2. Pour le moment, c'est un processus manuel. Et une fois qu'on aura implémenté l'empreinte, on pourra rendre cela automatique. Et j'espère que nous avons pu répondre à ta question. Je suis en train de voir s'il y a d'autres questions. L'équipe d'intégration à l'université de Sloan travaille depuis une année et demie sur les profils des dossiers pour les mettre dans le module de tracker. Ce qui était basé sur les directives de l'OMS, il y avait des kits d'adaptation, ça a été publié. Mais par rapport à l'adoption réelle et de l'implémentation dans beaucoup de pays, FHIR n'a pas été vraiment adopté comme un système à part entière. Donc, nous concentrons nos efforts sur ce type d'environnement, nous assurer que l'intégration est possible. Peut-être vous allez avoir plus d'informations sur
les perspectives d'avenir avec des HIST. Demain, il y aura une session là-dessus. C'est un processus difficile, mais on a besoin de le faire, nous devons le faire. Je m'appelle Anna, je travaille pour ISP Center. Nous savons que l'implémentation de systèmes et trackers peut s'avérer difficile, surtout dû aux ressources qui sont requises pour étendre. Ça peut être un système basé sur les individus. Il y a beaucoup d'appareils qui doivent être maintenus et c'est pas facile d'acheter tous ces appareils. Des fois, il faut les remplacer chaque 3 ans. Est-ce que vous pouvez, par exemple, partager vos stratégies qui vous permettent de garder vos systèmes, disons, durables? Merci beaucoup. Comme vous venez de le dire, l'implémentation du tracker, ce que nous avons fait lors de l'implémentation, vous savez, c'est pas réaliste. C'est pas réaliste de dire que c'est possible de déployer au niveau national. Il faut le faire en phase. Pour la Somalie, lorsque nous avons implémenté le tracker ER, nous avons commencé avec quelques centres de santé sélectionnés. Et l'OMS, en collaboration avec le ministère de la Santé, a donné quelques tablettes, surtout pour ces établissements sanitaires, pour voir comment ça fonctionnait. Est-ce que les personnels de la santé allaient vraiment utiliser, allaient collecter les données avec ces tablettes? Donc, il fallait vérifier cela. Et après, le ministère a été invité à lancer ce tracker. C'est le tracker qui doit être utilisé par le centre de santé pour capturer ce type d'information. Alors, entre deux et trois régions ont déjà adopté le tracker. Elles utilisent déjà le tracker parce que c'était difficile, c'était difficile d'avoir les gadgets à temps. Et le plan aujourd'hui, c'est d'étendre cela à différents États, aux autres États. Parce que, vous savez, la Somalie, c'est un pays avec beaucoup d'États. Donc, nous avons commencé avec l'État de Banadiri. C'est là où nous avons mené notre étude pilote. Et maintenant, nous sommes en train d'étendre notre initiative à d'autres États. C'est ça l'approche que nous avons adoptée pour nous assurer que d'ici quelques temps, tout le pays utilisera le tracker. Donc, il faut agréger les données et après les envoyer vers la fin du mois dans des HIS2. Donc, une question adressée à la présentatrice de Maldives. Est-ce que toutes ces implémentations du tracker sont utilisées dans tout le pays? Vous savez, dans la présentation, j'ai dit que le registre de vaccination électronique est utilisé sur tout le territoire. Mais notre objectif, c'est vraiment de déployer tous les modules que j'ai présentés dans tous les coins du pays. Donc, nous sommes en train d'étendre le module PSC et ainsi que les autres modules. Et on espère que, voilà, à la fin, on pourra déployer tous les modules dans toutes les régions du pays. Mohamed, vous avez mentionné des systèmes qui ont été mis en place après la guerre à Gaza et j'aimerais connaître les stratégies que vous avez utilisées pour déployer tous ces modules très rapidement à Gaza. L'un des bénéfices de DHS2 dans une situation de crise, surtout lorsqu'il s'agit de répondre à une crise humanitaire, c'est qu'il est flexible. Il y a des requêtes officielles de la part du ministère de la Santé
en Égypte et à Gaza et quelques agences des Nations Unies. Et on a dû utiliser DHS2 parce que c'est un système qui est vraiment facile à utiliser. Et on avait besoin d'une solution rapide pour capturer les données, pour générer des indicateurs et très rapidement. Donc, on ne voulait pas vraiment développer des systèmes à partir de zéro. Et DHSD nous a beaucoup aidés. C'est pourquoi nous avons utilisé le système agrégé, nous avons utilisé Tracker. Nous l'avons fait en quelques jours. Parce que vous le savez, il s'agit d'une guerre, c'est une crise. En quelques jours où les systèmes étaient en place et fonctionnaient, et les gens avaient été formés et pouvaient entrer les données, saisir les données comme il se doit. Alors, nous remercions les présentateurs. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les rencontrer lors des sessions de réseautage. Merci beaucoup.